Eh ben. Eh oui, c'est comme ça maintenant. Le monde à l'envers. Ils appellent ça les méthodes nouvelles de rééducation pénitentiaire. Ah, pauvre France. Quoi? Eux aussi, ils ont leur petite arbre de Noël. Non, je vous dis, on aura tout vu. Eh ben. Eh oui. Bonne nuit quand même. Merci, monsieur. On va essayer. Joyeux Noël. Tiens, on dirait la voix du 27. Ah non. Ah non, ça c'est pas le 27. Ah non, ça. Ça c'est le vieux Jojo. Le condamné à mort. T'es sûr? Eh oui, écoute. Ah oui, t'as raison. Hein? L'église est déjà fermée? Oui, c'est déjà fermé, papa. C'est complet. Ah bon? Mais bon, enfin, si tu tiens absolument à entrer, tiens, t'as une bijouterie là-bas, tu vois? Eh ben, tu casses la vitrine, puis comme ça, tu reviens là tout de suite. Tu pourras te mettre au chaud. Hein? Voilà. C'est ça, monsieur. Thank you.
Attention, attention. Dangereux criminel dénommé Sérinez s'est évadé de la prison départementale déguisé en Père Noël. Je répète, en Père Noël. Attention, il est armé. Ramenez-le au commissariat central. Je répète, au commissariat central. Terminé. La musique, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ça ne se passera pas comme ça, je me plaindrai. Vous entendrez parler de moi. Mais c'est vous. J'ai dit silence. Préparez vos papiers. Pardon, madame, vous n'auriez pas vu par hasard un Père Noël un peu bizarre? Un Père Noël bizarre? Non. Enfin, on veut dire un drôle de type qui avait l'air de s'enfuir. Non, on n'a rien vu. Vous savez, monsieur l'agent, un Père Noël, c'est toujours un peu bizarre. Et puis, je vous dirais que ma femme et moi, nous sortons jamais la nuit quand il fait froid. Merci, voilà. Monsieur l'agent, excusez-nous. Je vous en prie, bonsoir. Thank you.
Pardon, monsieur, vous n'arrivez pas à vu quelque chose de normal par ici. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas vu le Père Noël par hasard, grand-père? Parlez plus fort, je suis dur d'oreille. Je vous demandais si par hasard vous n'avez pas vu. Mais je n'ai rien vu, je suis aveugle. Vous n'avez rien entendu non plus. Je n'ai entendu non plus. Je suis en train de faire mon réveillon dans ma chambre. Mais je vous prie, messieurs, de me laisser tranquille. Et après, qui c'est qui a tout le mal pour ranger? C'est moi, toujours moi. Allez, laisse ta tête. Qu'est-ce qu'il ferait ce grand-là si j'étais pas là? Dis donc, toi. Pourquoi tu m'as pas porté la baignoire que je voulais pour Martine? T'as parti ma lettre. Je sais pas lire. Tu dors. Forcément, t'es fatiguée. Qu'il est grand. Quand tu seras réveillée, je te donnerai une fessée. Il doit plus avoir de jouets.
serpent. Tu sens mauvais. Bonjour. Tu as bien dormi? C'est 6h30. Et toi? Boire. Tu as soif? Donne-moi à boire. Oui, attends. Non, donne-moi de l'eau. Eh ben, viens voir maman, elle te donnera à boire. Allez, viens, que tu parles. Tu es fatigué? Boire. Tu veux pas venir voir maman? Non. Bon, alors je cherche à boire. Mais tu me jures que tu casseras pas tout pendant que je serai pas là. Autres informations, à Cannes, on a arrêté 6 personnes bien connues dans la ville. Et puis maman, tu me donnes un verre d'eau. À Paris lundi, ouverture d'un nouveau tronçon du boulevard. Qu'est-ce qu'on dit? Merci maman. C'est bien. Mais pour le moment, seulement dans le sens ouest-est, c'est-à-dire celui que nous nous invitons. Où vas-tu? Bon, maman. Non, c'est ici qu'il faut boire ton verre d'eau. Oui, mais le père Noël, il fallait dire qu'il a soif. Oh, je te l'ai déjà dit 100 fois, on ne joue pas avec de l'eau au grenier. Si ton père Noël a soif, il a qu'à venir voir la cuisine. Oui, mais il veut pas. Il veut pas? Ah ben, il a tort. Un père Noël doit toujours donner le bon exemple. Oh, celle-là avec son père Noël. Laisse-la donc, je préfère qu'elle croie au père Noël plutôt qu'aux histoires de brigands. Je vais lui dire deux mots à ta mère. D'abord, c'est pas ma mère, c'est ma maman. C'est toi qui as pris le pistolet? Tu ne l'as pas. Tu veux me le rendre? Où tu l'as mis? Tu veux me le donner? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Florence. Je dois dire à papa. Écoute bien, Florence. Je suis un Père Noël qui est tombé du ciel. Et en tombant, je me suis fait mal. Tu comprends? Ils ne le savent pas encore là-haut. Faut les prévenir pour qu'ils viennent me chercher. En hélicoptère? Oui, c'est ça. Un hélicoptère qui m'emmènera au ciel. Il viendra sur le toit? Oui. Tu m'emmèneras, dire, en hélicoptère? Bien, évidemment. Tu comprends? Et il faut que tu préviennes le bon Dieu. Et tu veux bien, hein? Oh oui. Alors, tu veux me chercher le papier, là-bas, tu vois? Oui. Ah.
Oh mon cher. Bon Dieu. C'est écrire, toi? Oui. Ah, tiens, t'écris pour moi. A écrit. Je suis blessé. Je suis blessé. Dans le grenier. Dans le grenier. Qu'est-ce que c'est ton adresse ici? Et le nom de la rue, quoi, le numéro, c'est pas. C'est rue Jules Verne. Ah, ça va être écrit. Hein. C'est rue Jules Verne. Attention. Attention. C'est habité. Bébert. Bébert. Ouais. Bon Dieu comprendra. C'est mon petit nom de Père Noël. Bébert Noël? Ah, je... Bébert, simplement, écrit. Tu as bien tout écrit? Oui. Fais voir. Rien dire à personne. Et tout de suite, monsieur Polo. Oui. Polo, c'est le facteur du bon Dieu, tu comprends? Oui. Il habite au bar des sports, près de la gare. Oui. Tu sauras y aller toute seule? Oui. Tu te rappelleras, Polo, bar des sports, près de la gare, répète. Polo, bar des sports, près de la gare. Ah, très bien. Mais tu le dis à personne. Oui, mais tu m'emmèneras dans ton hélicoptère. Oui, oui, si tu le répètes à personne. Oui. Florence. Au pistolet. Voir Polo. Oui. C'est marrant. Tiens, ça vaut bien 100 balles. Et tu vas porter ça en face de ma part. Hein? Oui, c'est très gentil.
mon vieux Polo. Oui, et alors? C'était peut-être un message de Bébert. C'est pour qui cette lettre, ma petite fille? Mais c'est pour le moins vieux, monsieur. Ah, mais ce n'est pas ici, je vais te montrer, moi. Attends, tiens. Tu vois, la porte est ici devant toi. Eh bien, tu entres là et tu vas le trouver. Dépêche-toi. Où as-tu mis le billet? Le billet que t'as apporté au bar tout à l'heure. Mais j'ai donné à mon vieux. Qui te l'avait donné? C'est le Père Noël. Et où il est, le Père Noël? Il est dans ma maison, au grenier. Il est tombé du ciel. Mais il y a un hélicoptère qui va venir le chercher. Là. Où tu étais, toi? Tu sais qu'on te cherche partout. Mon papier. Les papiers. Ça tombe mal, monsieur l'agent. Je suis sorti un peu précipitamment. Je les ai oubliés chez moi. Bon, suivez-moi. Oh, dites-moi, je vous remercie beaucoup, hein. Oh, ce n'est rien. L'essentiel, c'est de l'avoir retrouvé. Oui. Et parce que même au commissariat, on ne sait jamais avec des types comme ça. Bien. Bien. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? De te sauver comme ça, à 6 ans et demi. C'est du propre, oui. Mais c'est pas de ta faute. Si on lui avait pas bourré le crâne avec toutes ces histoires de Père Noël... Ah, voilà, c'est ça. C'est notre faute, maintenant. Notre fille va au bar des sports et tu trouves ça normal. Oh, mange ta soupe, ma chérie, puis après on ira faire dodo. C'est le Père Noël, il y a longtemps qu'il est retourné au ciel. Oui. Tu as trouvé le bar des sports? Oui, même le monsieur m'a donné 100 francs et la dame une sucette. Allez, viens, on va faire la dinette avec mon Père Noël. Allez, viens. Oh, que c'est bête, les gosses. Allez, caresse ta barbe comme moi. Oh non, c'est pas encore l'heure de goûter. Regardez-moi ça, ce grand voleur. Quel mauvais exemple. Allez, ramasse ça.
Après, j'aurai plus assez de gâteau pour tout le monde. Ça, c'est pour le Père Noël, pour moi et pour Lulu. Quel voleur! Puisque c'est comme ça, on va faire la dinette sans toi. Et puis c'est pas la peine d'insister, quand on mange la recette des autres, on est privé de goûter. Je te donne ma lettre permission de revenir, seulement si tu me demandes pardon. Si tu savais le mal que j'ai avec ce gras-là, il n'arrête pas d'avoir soif. Il n'obéit même pas à maman. Et avec Kiki, c'est la même chose. Il veut même pas manger, on a toujours autant de mal. Quel monde! Et à ce moment-là, voyant que l'autre ne répondait pas, il lui redit encore plus fort: Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille droite. Et le gars se retourne furieux et lui dit: Espèce d'imbécile, ne me voyez donc pas, que je ne peux pas vous entendre, j'ai une banane dans l'oreille droite. Oh, <l'idiote. rire> Eh ben, mais qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Oh, elle me désole, elle n'a plus d'appétit, elle ne dort plus la nuit. Tout ça depuis que le Père Noël est passé. Ah ça, elle le voit partout, elle ne pense qu'à lui. Depuis qu'on lui a fait voir que le Père Noël existait, on a bien du mal à se débarrasser de lui. On a eu la bêtise de lui dire que le Père Noël habitait dans un grenier. Je me demande si à l'époque moderne, on ne ferait pas mieux d'élever les enfants en leur disant la vérité sur tout. Y compris sur les mystères de la vie. Ouais, ça, Laurence et moi, on se le demande aussi. Oh non, c'est si mignon quand il croit. Moi, j'ai cru jusqu'à 8 ans. Maintenant, avec toutes ces machines, il n'y a plus de poésie dans la vie. Oui, mais alors attention, hein, si ça doit les rendre malades, moi, je ne marche plus. Florence, écoute-moi bien. Maintenant que tu es une grande fille, hein, je peux te parler comme une grande personne. Autrefois, quand tu étais encore un tout petit bébé, je te racontais des histoires de Père Noël, mais c'était seulement pour rire. Tu veux pas dire que le Père Noël, il n'existe pas. Non. Bah, tu te souviens qu'on en a vu dans les grands magasins? Ils servent à prendre des photos, raconter des histoires. Mais leur barbe, elle est fausse. Si tu tires dessus, elle s'en va. Ça veut dire que le Père Noël, qui c'est? C'est un monsieur. C'est un monsieur comme moi, comme le papa de Christophe, comme monsieur Gosselin. Et quand arrive Noël, qu'est-ce qu'il fait? J'irai lui acheter le petit chat qu'elle réclame depuis si longtemps. Ça lui changera les idées. O et U. Quand on les attache ensemble, on a le son OU. Répétez. OU. Encore. OU. Voulez-vous écrire sur votre feuille un O et attacher un U. Vous aurez le son OU. Florence, on travaille? T'as rien dit à tes parents, moi. Tu n'es pas le Père Noël. Si, je suis le Père Noël. Tes parents sont là? Tu veux pas aller chercher à boire?
qui n'est plus Père Noël. Tiens, voilà ton Père Noël. Il y a encore ça. Ça peut être con et gosse, hein. Comme ça, s'il te plaît. Oh oui. Alors tu vas me chercher un peu d'eau, hein. Elle est très impolie. Allez, viens, je vais lui dire, moi. Je vais lui parler, moi, un peu au Père Noël. Alors, où est-ce, Père Noël? Ben, il est là. Il est peut-être là. Ben, tu vois, il est reparti voir au ciel. Allez, va vite mettre quelque chose, tu vas attraper froid ici. Tu sais, Florence, j'étais comme toi quand j'étais petit. Ma grand-mère aussi me racontait tes histoires. Et à chaque fois, je croyais que c'était vrai. Mais elle, c'était pas des histoires de Père Noël, c'était plutôt des histoires de brigands. Hein? Oui, des histoires de brigands, des histoires effrayantes. Et j'avais peur, ce que j'avais peur. Bonjour, madame. On vient pour le ramonage. Le ramonage? Oui, un petit coup de temps en temps. Ça fait du bien en cheminée. Jean-Pierre, viens voir. Ces messieurs viennent ramener. Ramener? À la fin de l'hiver, les cheminées en ont bien besoin. Mais qui vous envoie? Rassurez-vous, il n'y a rien à payer. C'est pour la sécurité de l'immeuble. Bah, on se chauffe à l'électricité. On n'a pas besoin de ramonage. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse un petit nettoyage? Ah non, rien du tout. Allez. Culons ces types-là. Une chatte mal élevée, on mange dans le grenier. Depuis 8 jours, elle n'arrête pas de demander à manger.
Je porte mon assiette tous les jours au grenier, elle est mec comme un clou. Elle va sûrement faire des petits, c'est toujours comme ça que ça commence. Tu dois lui donner un peu de viande? J'en donne tous les jours. J'y vais. Bonjour monsieur, c'est la maison Harrison et compagnie. On vient pour débarrasser votre grenier. Toutes vos vieilleries, on les rachète à prix d'or, hein? Ah non, 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 allez, où? Allez, non! Ah, oh, écoutez, sans blague, pas coup de chou, pas ce qu'ils ont, non? Hier encore, j'en ai trouvé trois qui étaient en train de grimper sur le toit avec une échelle. Ils venaient pour vérifier la gouttière. Mais il a suffi que j'appelle un agent pour qu'il les garbisse, hein? Mais tous les jours, on est dérangé par des quémandeurs. Ne pas se laisser faire, hein? Non! Personne? Non. Personne n'est venu chez tes parents? Non. Salopard de polo, hein, tu malpaieras. Tu veux rendre un service? Père Noël? Tu m'emmèneras dans ton hélicoptère. Oh, tu parles, c'est juré. Parole de bébé, parole de fer. Tiens, tu prends ce billet. Tu vas chez l'épicier, tu lui achètes un litre de vin rouge. Tu le rapportes ici. Mais tu le dis à personne, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il manque quelque chose? Pourquoi dans ma chaussure tu m'apportes un pull à verre? Dans ma linge, je t'avais demandé de m'apporter une baignoire. Pour Martine. Mon Dieu, qui c'est ça encore Martine? Ben, c'est ma poupée. Tu la connais pas? Je vais la chercher. Oh, si, 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 je la connais bien. Bon, tu auras ta baignoire. Et en attendant, tu vas aller chez l'épicier et tu achèteras un litre de vin, hein? Et en même temps, tu prendras un camembert. De l'heure après, tu iras chez le boulanger et tu lui demanderas une baguette de pain. Hein? T'as compris? Bon, c'est un monde. Je te laisse 5 minutes toute seule à la maison. Voilà les bêtises qui recommencent. Je vais te faire passer le goût du Père Noël, moi, ma petite, à la maison. Au revoir, madame. Au revoir, mesdames. Alors, tu veux pas nous dire qui t'a donné ce billet? C'est le Père Noël. Oh. Écoute bien, Florent. Le Père Noël, ça fait longtemps qu'il est remonté au ciel. Bah, t'as bien vu, quoi. Lorsque tu es allé au grenier avec maman, elle t'a bien montré que le Père Noël était parti. Alors, ce billet, il vient d'où? Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais aller fermer à clé la porte du grenier, moi. Et tu n'y montreras que lorsque tu nous auras dit toute la vérité. Allez, monte dans ta chambre, vilaine fille. Allez, oust! Ça va être dur, hein. Enfin, tu es bien sûr que tu ne te manques pas un billet dans ton porte-monnaie, Flore. J'ai compté 3 fois ma monnaie. Oh oui, mais on n'est pas d'histoire avec les voisins. Mais en plus, elle s'est fait donner un camembert trop fait. Bah, ça, c'est pas grave. Je donnerai à Madame Martin. Son mari l'aime bien fait. Et le vin? Le vin? On le boira. Allez, vite, il faut se dépêcher, hein. La séance était déjà commencée, mais le grand film passe à 9h20. C'est
C'est permanent. Ah non, c'est un film policier. Tu ne vas pas me faire rater le début. J'arrive. Alors comme ça, c'est ton père qui a sifflé la bouteille d'épinard que je t'ai envoyé chercher avec mes sous. D'abord, c'est pas mon père, c'est mon papa. C'est lui qui a mangé le camembert aussi? Ah ça, c'est pas papa, c'est monsieur Martin. Il l'aime bien fait. Bah, passe-moi le pâté en attendant. Commet des délits pour se refaire, en prison. Pour se refaire mettre en prison. Et alors ça, c'est une des grosses acquisitions de la transformation des maisons de rééducation, c'est qu'on a supprimé tout ce qui est barreau, tout ce qui est prison, tout ce que le monde carcéral a de chaud, de subjugant, enfin. C'est donc moins envoûtant. C'est moins envoûtant, c'est plus froid, oui. C'est plus difficile. Vous avez vu cependant les enfants revenir sur les lieux. On ne peut quand même pas empêcher des enfants de s'attacher à la maison où ils ont senti que à peu près les seules personnes qu'ils aient connues jusque-là les aimaient. Tu vois ce pétard? Ça. T'entends la môme?
Voilà. Vous êtes sûr? Absolument sûr, Madame Martin. Nous sommes partis hier soir au cinéma vers 9h10. Florence dormait. Ils ont bien fermé la porte à clé derrière nous, ça j'en suis certain. Hein. Et d'ailleurs, ça n'est pas dans la cuisine que nous avions dîné, mais dans la salle à manger. C'est ma femme qui avait débarrassé la table. Nous sommes rentrés vers minuit. Florence dormait toujours. Et le frigo était vide. Oh, bah ça alors, vous êtes sûr? Bah, on n'est pas fous tout de même. Pardon. Ah. Voilà tout ce qui reste du poulet. Des os. Oh, bah ça alors, quelle affaire! Eh ben alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui a mangé le poulet, le pâté, le saucisson, le fromage de chèvre? Ben, c'est le Père Noël. Ça recommence. Florence, dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui a mangé tout ça? Tu veux pas le dire à ta maman? Allez, dis-le-moi. Qu'est-ce que c'est encore? Ah là là, les enfants, quel souci. En tout cas, demain, je l'emmène chez un spécialiste. Oh, vous devriez l'emmener au dispensaire Alfred Binet ou Charles Moureux. Il paraît qu'ils ont des as là-bas. Allez, viens, ma chérie, on va t'habiller maintenant. Je vous disais donc que Madame Chambrun était très contente de ce spécialiste. Elle avait son aîné qui faisait pipi au lit. Ah bon, elle ne fait plus maintenant? Si, mais elle ne s'en inquiète plus. Donc, regardez donc ce que j'ai trouvé. C'est que ça. Viens voir. Voilà. J'ai trouvé ça dans la penderie, là. Et mon costume a disparu hier. T'en es sûr? Mon costume neuf, oui. Parfaitement. Non, ça, je comprends rien du tout. Et ça, là? C'est que ça? Ah, là, voilà. C'est une des phoques de Père Noël, ça. Bon. Oh. Maintenant, Florence, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Père Noël? Il y a une chose certaine. Pour que ça ne se reproduise plus, moi, je condamne le grenier. Là. S'il y a le feu. S'il y a le feu? Les pompiers n'auront qu'à me demander la clé.